Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Ball Fierce Fighting 2.9. Dans la catégorie des jeux Dragon Ball Z, Flash, il est pas mal celui-là, il est pas trop deg. Le son par contre est extrêmement mal géré, donc là j'ai très très baissé le son et j'ai mis mes propres musiques. Parce que c'est mieux, parce que comme ça sera mieux géré. Alors, de ce que je me souviens, les combats Dragon Ball c'est pour débloquer des personnages. Les combats là comme ça c'est genre les combats histoire. Est-ce que je peux pas genre complètement les skip? Là on a le roi démon Piccolo. Je peux pas skip directement on a le championnat du monde sinon. Je peux pas aller genre directement au CN, ça c'est quoi ça, 23. Ah. Ok, bah je crois que je vais être obligé de commencer par le niveau 1. Ok, niveau 1 c'est Goku SSJ 3 versus Broly. Bah pourquoi pas. Attendez, comment on joue? Ah, il joue tout seul. Le jeu joue tout seul, ok, bah d'accord, c'est pas grave. Non, on fera le niveau 2, du coup je pense que le niveau 2 c'est pas le jeu qui joue. Je connais pas les touches. J'aurais peut-être dû me renseigner. Écoutez, ça fait giga longtemps que j'ai pas joué. Oh, je vais y arriver. Eh, le jeu il joue plus tout seul. Bon, le jeu arrache quitte. Ah d'accord, donc là je peux choisir. Oh, il y a Beerus. Dans cette version, il y a Beerus. Gogeta SSJ 4. On pourra débloquer Goku SSJ. Gon SSJ 2, Vegeta. Donc on n'a pas tous ces persos. Goku SSJ 2. Pas vraiment SSJ 2, mais on va dire SSJ 2 n'est pas débloqué. Trunks non plus. Goku SSJ 4 non plus. Ça m'étonne qu'on ait Beerus, mais qu'il nous ait pas mis Goku God. C'est vachement étonnant. D'ailleurs, on n'a même pas Goku, genre, pas Super Saiyan. On a Goku enfant, quoi, mais on a Raditz. Waouh. Ouais, on n'a pas Goku God. Étonnant pour un jeu qui... Alors qu'on a Trunks Super Saiyan 3. Étonnant pour un jeu qui met Beerus. Écoutez, on va jouer... Gogeta. Start. D'accord, donc maintenant que j'ai choisi Gogeta, je peux jouer? Ah ouais, yes. Fight. Attendez. Alors ça, c'était un ulti. Ça aussi. Ça, c'est une bonne frappe. Ah ouais. Oh, Mudada. Oh, Nani. Ok, alors c'est comme ça qu'on saute. Non, c'est pas comme ça qu'on saute. C'est comme ça, ok. Tic. Tic. Hop. Hop. Hop, hop, le combo. Comment on charge plus le ki? Parce que là, j'ai plus de ki. Ah d'accord, c'est juste en mettant des coups. Gogeta, il glisse. Vous avez vu comment il glisse? Genre juste là, je mets un coup, j'avance même pas, mais ça avance tout seul. Joe, bouffe. Bouffe. Attendez, comment je fais un... Comment je fais genre un Kamehameha? Me dites pas que ça existe pas, j'y croirais pas. Aucune idée. Le jeu est en japonais, donc bonne chance pour essayer de comprendre. Peut-être avec une... Avec un enchaînement de touches? Non. Aucune idée, peut-être que Gogeta peut pas, hein. Peut-être que Gogeta est un personnage uniquement corps à corps. Ce qui serait étonnant, mais pourquoi pas. En avant. On va essayer de passer au niveau les plus intéressants. Après, je sais pas si je peux passer direct au niveau 2. En tout cas, je peux faire les niveaux boules de cristal. Qui sont les personnages à débloquer. Et qui seront du coup beaucoup plus durs. Encore. Bon, on va s'en occuper du coup. Hop. Ah d'accord, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Parce que regardez, là, bam, dans les airs. Oh mais ils volent trop loin, ils volent trop loin. Comment je te bats si tu voles? Oh là 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 là. C'est Jojo Bizarre Adventure mais avec Gogeta. Aïe, oh, hé, hey, oh stop, hé, hey. Oh l'esquive. Je dash. Peut-être si je mets genre O, je fais une compétence. Non, ça a pas l'air de marcher du tout. Ah oh, mais décidément. Quand est-ce que c'est fini? Je veux passer au vrai combat, moi. Hop. Oura. Oh, Nani. Nani. Ah. Il me combo. Ouais, un commentaire des plus incroyables, je sais. Oh. Oh, c'était stylé. Bon, c'est stylé jusqu'au moment où je me prends des balles. Oh là là là. Ah, Nani. Mais c'est pas... Bah, les choses, c'est juste la même chose. Je vois les commentaires venir. Je les vois venir. À 3 km. C'est bon. You win. Wow. Je peux passer directement... Non.
Ah, donc il va falloir les faire dans l'ordre, les niveaux. Bon, et si j'en ai rien à battre, qu'est-ce qui se passe? Gogeta sur... sur la planète 92... planète 92, je sais pas. C'est genre planète random numéro 70. Bam! Goku SSJ géant, what the fuck? Aïe, aou. Stop, non. On se calme, Goku. Je suis ta fusion. Aïe. Non. Hop. Tic. Oups, mauvaise touche. Ah, peut-être que si je fais ça plus une technique... Bon, ça a pas l'air de marcher. Ça ne marche pas pour l'instant. Ah ouais, non. Bon, le coup SSJ est donc trop puissant pour moi. Est-ce que je peux changer de perso, s'il vous plaît? Ah... Tiens, on va prendre un personnage qui, logiquement, aurait un Kamehameha. Ouais, on peut prendre Beerus. Non, partons sur Gohan pour l'instant. Gohan contre son père, c'est parti. Ok, donc il a ça comme technique. Ah, non mais stop. Ça c'est juste des coups normaux. Je ne comprends pas. Ah mais stop. Goku le spam là. Non. Ça consomme du ki en masse. On dirait que même Gohan n'a pas de Kamehameha. Il doit y avoir une commande pour faire un Kamehameha. Hop. J'aime bien ces petits combos. Ah mince. Je sais pas comment je fais, mais Gohan est tellement bon au corps à corps. Hop, tap. Regardez-moi ces combos. Tic. Oh là là. On dirait une animation genre... qui utilise des sprites de Mugen. Bon, par contre, comment on fait un Kamehameha? Tout le monde parle en arabe. Vous pouvez me dire comment on fait un Kamehameha? Personne le dit. Bon. On retourne sur le jeu. C'est pas grave. Ok, alors. Je suis quand même curieux. On va prendre Beerus. Et on va aller là. Sprite de Beerus qui est vraiment réussi. Je trouve. Beerus qui a l'air d'être un personnage à combo aussi. Pourquoi Vegeta quand on le frappe il perd un visage? Il a plus de visage. Oh, stop. Vegeta. Pourquoi il fait une danse? Il bouffe. Ok, donc ça c'est bien la technique pour envoyer en haut. J'essaie toutes les touches, hein, avec un peu de chance. Bon, j'ai plus de ki. Avec un peu de chance, j'aurais trouvé le Kamehameha, mais non. Ah, lui il le connaît. C'est une touche que j'ai ratée. Non, ça m'étonne. Ok, Vegeta, on se calme. J'essaie de spammer toutes les touches, mais vraiment, je ne trouve pas. Puis comme le jeu, t'explique pas comment jouer. Stop. Vegeta. Ouais. Le jeu, on a rien à battre. J'aime pas à quoi ça sert non plus de charger le ki. Parce que je peux le faire, mais ça ne sert vraiment à rien. Hop. Oh non, stop. Je le sentais venir, ça, Vegeta. Oh, bel essai, mais... Oh non. Il m'a tué avec son espèce de vieille danse, là, où il frappe par terre. Bon. Je sais que Goku SSJ a un Kamehameha. Ah, help. Attendez. Bas, droite, J. On tente. Bas, droite, J. Peut-être tout en même temps. Bah ça n'a pas marché. Bah droit J. Oh ça marche. Le Kamehameha Super Saiyan 3. Ok, donc c'est comme ça qu'on fait. Tu cherches ton ki et tu balances ton ulti. Ok. C'est plutôt clair. Bon, on peut enchaîner Vegeta. Tic. Les coups de pied.
Oh, dommage qu'il n'y ait pas Goku Blue. Mais on fera avec. Tac. L'enchaînement. Oh. Doshita. Oh. Dingen. Désolé, je me suis emporté. Oh là là, ces esquives. Aïe, 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 stop. Non, non, pas la danse, pas la danse. Non, la danse. Vegeta qui ne se respecte plus. Ok. Obagi. Non, bah. Obagi. Yes. Qui quoi? Et le combo, tech. Bon, c'était raté. Aïe, 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 aïe. Non, pas la danse, la danse. Non, non, non. Vegeta, on te débloquera. Ah non. Ah, hop, combo. Tic, tic, tic. J'aurais peut-être pas dû attendre qu'il se relève, mais finalement ça a marché. On va essayer de le combo jusqu'à sa mort. Ah, ça a l'air de marcher. Goku fait pas beaucoup de dégâts, mais mais écoutez, ça marche. Obagi. Oh, bien joué. Oh, KO, j'ai débloqué Vegeta, pas Gogeta. Bien joué. D'accord. Je veux changer de personnage. Je veux Beerus. Ok, allons ici. Alors, je sais pas qui ça sera ici. Piccolo, alors ça c'est décevant. Obagi. Waouh. Ah oui, Beerus ne déconne pas du tout. Aïe. Oh, oh. Nani. Non. 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 Ah. Mais pourquoi? Ok. Ok. Recule, recule. Non, non, non. Bon. Piccolo est trop fort. Non mais j'aimais bien tester. Bah, je ferais bien tester Beerus plus. On va tester sur une map plus safe. C'est tout. Obagi. Oh, oh, oh. Akai. Ah oui, c'est vraiment des Akai. Et voilà, une mission de réussie grâce à Beerus. Oh là là, mais c'est tellement OP. Est-ce qu'on peut avoir genre... Attendez, on va prendre Gogeta. Maintenant que je sais faire des ultis. Ça peut être très très cool. Êtes-vous prêt? Obagi. Non, attends, non, mince, il faut recharger avant. Non, Yamcha, t'es moche en plus. Ton sprite est dégueulasse. Ok. Obagi. Oh, le Final Kamehameha. Oui, réellement, il a fait un Final Kamehameha. On l'a tous vu. Obagi. Et il en referme. Pas mal, pas mal. Yare, yare. Yare, yare, oui. Bam. Ho. Ah non. J'ai dit non. J'ai dit non, Yamcha. Ah non, 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 non. Yes. Il est mort. Yamcha s'est fait éclater. Eh, mais d'un coup, les ultis, ça change tout. Ça change une vie. Bon, j'aimerais bien tester genre la deuxième Dragon Ball. What? What? J'ai gagné. Ah, j'ai débloqué Goku Super Saiyan 3. Mais j'ai rien fait. Écoutez, on a déjà vu les ultis de Goku Super Saiyan 3. Est-ce qu'on ferait pas les ultis genre de Goku de Trunks Super Saiyan 3? On va tenter. Contre Piccolo. Ok, Obagi. Yeah. Burning Attack Super Saiyan 3. Ah, pas beaucoup de dégâts, hein, mine de rien. Quand tu compares avec Beerus. Oh. Non. Non. Non, Piccolo. Je le vois venir. Je vois venir l'ulti. Obagi. Ça va, ça va. Oh, bien joué, le coup d'épée. Tac. L'enchaînement. Bah, l'épée marche pas à chaque fois. Hop. Tac, tac. C'est bon. Là, on y est. Oh, non, non. Oh, petit, petit tacle. Trunks Super Saiyan 3 qui est footballeur dans l'âme. Oh. Et oui, Piccolo. Un Super Saiyan 3, c'est pas ton niveau. Ah là, c'est bien au-dessus. Ah là, bah là. Alors là, c'est fini. Ah, non, non. Voilà. Allez, et on le crame. On crame son corps. Parce qu'il y a un manque de respect qui est assez incroyable. Alors, j'aimerais bien tester.
Gogeta et SSJ4, allons-y. Allons-y. En avant. Non, c'est Goku Super Saiyan. Oh, ce Kamehameha. Et un autre. Bam. Pas mal, Gogeta. Oh, et cette aura est assez stylée. Oh là là. Ah non. C'était pas très fair play. Pourquoi les PNJ, quand ils me tapent avec un ulti, moi, ça me défonce. Bon. J'aurais pas pu bien le tester. Prenons... La musique m'a l'air beaucoup trop forte. Mais ça ira. J'ai juste un tout petit peu baissé. Un tout petit peu... Bon, allez, ça le fera. Alors, qui est-ce que je vais prendre? Ah, Majin Vegeta. Imaginez s'il s'autodétruit. En avant. Obagi. Non, d'accord. Eh oui, Gohan. Tu ne peux rien faire. Ok, bah, tu peux esquiver, par contre. Oh. Tac. C'est comme ça qu'on envoie les gens dans les airs. D'où Gohan, ado, est plus grand que moi. Je sais que Vegeta est petit, mais quand même... Ouh, il explose tout. Aïe. Non, stop. Gohan, raté. Oh, échec. Non. Tic, le coup de pied. L'explosion. Non. Ah. Hop, combo. Combo dans les airs. Ah non. Aïe, ouh, ah. Non. Nani. Ah. Pourquoi Vegeta était stun là? Vegeta, qu'est-ce qui t'arrive? Vegeta, il faut s'en remettre. Vegeta, il faut. Yes. Non. Vegeta, ne me fais pas ça. Ah, il m'a fait ça. Pourquoi il a des stuns, Vegeta aussi? Broly ne fera pas la même erreur. Oh. Broly avant que DBS passe et le rende intéressant. Bam! Oh, c'était puissant, c'était même pas un ulti. Ça, c'est un ulti. Ah, mais c'était pas l'ulti à full power. What? Bon, écoutez. On va charger le ki. Tuk. Je vais me frapper les enfants. Non, arrêtez, je rigole. N'appelez pas la police. C'est Broly qui dit ça. Ah, non, pas le Kamehameha. Je refuse, Gohan. Hop. Non. Ah. C'est vraiment la tête de Broly, il avait fait un vieux. Oh. Regardez. Oh. Aïe. Mais arrêtez, monsieur. Mais arrêtez, stop. Oh. Non, mais d'où il a plus de portée que moi? C'est un enfant. C'est terminé. Oh, Olida. Ça fait pas tellement mal, mais au moins ça aura suffi. Et Gohan Super Saiyan 2 est débloqué. Alors. En avant dans ce niveau. Trunks, d'accord. Un peu décevant. Oh, le Kamehameha vert. Le légendaire Kamehameha vert de Gohan. Et le légendaire Kamehameha jaune. Et oui, Gohan avait appris le Final Flash. What? D'accord, j'ai un combo, c'est exactement le même, mais il coûte du ki. Hop. Gohan a l'air vachement fort. Il a l'air vachement rapide avec une grande portée malgré sa petite taille. Aou. Ouh, Trunks, ça a l'air pas mal aussi. Ouais, il est pas mal. Ah, il m'enchaîne. Ah, mais si même le PNJ commence à abuser du jeu. Ah, Trunks, c'est mieux. Je préfère. Non, stop, mais. Non, mais nous. Aou, mais non. Ok, Trunks, c'est OP. Je vais prendre un personnage qui pourra rivaliser. Voilà. Fais pas le malin, Trunks. Goku est là, en Super Saiyan 3, pour t'éclater. T'éclater, mais vraiment. Ah, non, stop. Arrête. Non. Méchant Trunks. Tiens, il a tenté un ulti, mais c'est raté. Quel échec.
Hop. Oh, pas mal, pas mal. Peut mieux faire par contre. Donc il s'était payé, il met un coup de pied. Non, 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 non. Moi aussi je peux le faire. Oh là 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 là. C'est un duel de stand qu'on a ici. Yep. Hop, 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 hop. Hop, hop, oui j'abuse du jeu. Oh alors là. Alors là mon petit gars, mange ton karma. Oh il est goûtu ton karma. Oh là 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 là. Oh, Goku SSJ3 était la solution. Bon par contre Trunks c'est complètement craqué lui aussi. Il manque qui? Il manque seulement cette personne. Je sais même plus qui c'était. Ah. Bah j'ai gagné. Ok. C'était qui du coup? Ah oui c'était Goku. Goku Namek. Il manque Goku Super Saiyan 4. Attendez. On va prendre contre Goku Super Saiyan 4. On va prendre Vegeta Super Saiyan 4. Bah où est-ce qu'il pourrait être? Vous pensez qu'il faut finir l'histoire pour l'avoir? Faut aller là-bas. Parce que j'ai toutes les Dragon Ball. Ouais. J'aurais pensé qu'un niveau spécial se débloquerait avec toutes les Dragon Ball. Apparemment non. Ah. Bah je suis bien déçu. Bon bah on va se laisser là nous tout de même. Parce que voilà, on aura à peu près fait le tour. J'aurai débloqué tous les personnages. C'est une victoire. Enfin, sauf Goku et SSJ4. Il restera plus qu'à faire l'histoire. Si jamais vous avez vraiment envie que je revienne sur le jeu, et bah je ferai toute l'histoire en testant tous les autres personnages que je n'ai pas encore testés et en utilisant la full puissance du Hakai de Beerus. Parce qu'il faut dire que Beerus est le personnage le plus OP de ce jeu. Enfin, il n'a pas le combo où tu fais le hola hola hola, mais à part ça, il est OP. Il lui manque juste ça en fait. Bref, Zou, à plus et à la prochaine. Si vous avez d'autres jeux Flash Dragon Ball qui est assez cool, bah dites-le moi et j'essaierai d'y jouer si jamais ils sont intéressants. Allez, Zou!